sur une brochure éditée par les Francs et Franches Camarades, nous avons construit ce robot. Ce robot qui est un androïde suiveur de piste. C'est-à-dire, théoriquement, avec la cellule photoélectrique ici, nous traçons une piste et le robot suit la piste. C'est un peu ce qui se passe actuellement dans les entreprises pour aller chercher les colis, pour aller... Ah donc, vous voyez, on va faire tourner. Il tourne en rond, c'est dommage, mais... Ah ben, les piles sont mortes. Voilà. On le fait tourner en rond volontairement. Hein. Mais théoriquement, avec la... en mettant un circuit, le robot suit le circuit. Voilà. Est-ce que vous souhaitez avoir des renseignements plus complémentaires ? En ce qui me concerne, je pense que le tour a été fait. Ça complète largement ce qui a été dit lors de ma précédente visite. La maison pour tous de la Martinoire apparemment se porte très bien. Plein de nouveautés, plein d'innovations. Bah, souhaitons bonne chance et beaucoup de continuation donc, à la maison pour tous. Bien, donc vous êtes la mère de Steffi. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la carrière vite fait de Steffi comme ça ? Ben, elle est très jeune, mais bon. Elle est très jeune, je voudrais bien qu'elle réussisse. Mais bon, ben. Un petit peu à la fois, quoi. Je sais pas quoi dire. Comment ça s'est passé ? Comment il y a eu les contacts ? Ben, c'est-à-dire, c'est Madame Delavier, Valérie, qui est venue à la maison en demandant que Daniel. Herman, il recherchait une petite fille de 11 ans pour chanter. Et puis, elle a été se présenter à Daniel Herman. Et puis, c'est comme ça qu'elle a débuté. Est-ce que vous pensez que c'est le début d'une grande carrière ? Je l'espère. Je voudrais bien pour elle. Moi, je l'espère aussi. Je peux pas en dire en plus, quoi. Alors, Steffi, c'est ton vrai nom ou bien c'est un nom comme ça ? C'est un nom comme ça. Pourquoi alors, Steffi ? C'est toi qui l'as choisi ou ce sont les autres ? Ben, c'est Daniel Herman. Parce qu'on pouvait pas mettre Stéphanie Van Paris, ça suivait pas. Ni Stéphanie, parce qu'il y a déjà Stéphanie de Monaco. Est-ce que ça te plaît de passer devant les gens comme ça et de chanter ? La première fois, j'ai eu peur. Hein. Mais sinon, ça va, j'aime bien. C'était quand la première fois ? Le 19 octobre. Donc ça te plaît, t'as envie de continuer alors ? Ouais. Si ça marche, je continue. Tu as quel âge ? 12. Et tu as déjà des projets d'avenir ? C'est un peu tôt peut-être, mais t'en as peut-être, non ? Ouais, j'en ai déjà. Qu'est-ce que c'est ? Puéricultrice. Puéricultrice, ça n'a rien à voir avec la chanson, ça ? Bah non. Est-ce que t'as pas envie de continuer dans la chanson ? Bah si ça marche, je continue. Si ça marche pas, bah... C'est une bonne expérience, quoi. Bah ouais. Merci. Ça va, je passe bien, non ? C'est fait ? Bon, on t'expliquera, c'était bien. Bon, alors. De toute façon, ça se fera un truc, quoi. Il faut... Ah, c'est bien. Enfin, ça, je fais confiance à mes filles. Bon, pourquoi ? Tu l'as ? Qu'est-ce que vous pensez de l'atelier de l'art vive ? Monsieur Emile ? Mais 200, pépère. J'ai le tchat. J'espère que ce petit souvenir se rappellera du bon moment de ce soir. C'est le marché de Waterloo est très bon organisé. Et aussi, tout le monde sont très gentils à nous. Et j'espère que le jumelage de Eschweiler et Waterloo va très bien pour l'avenir. Et nous sommes très contents. C'est très bien. Ça change un petit peu. C'est le moment de Noël, c'est bien. Coup d'idée, cadeau pour Noël. Vous croyez que c'est une bonne expérience pour Waterloo ? Oui, très bonne. Ouais. Est-ce que vous pensez que l'année prochaine, Waterloo pourrait recommencer une opération ? Ah oui, c'est sûr, il faut le refaire. Hein. Des idées, comme l'a dit la femme, ça donne des idées pour acheter, pour faire des cadeaux. Parce que moi j'étais à Roubaix, est-ce que je ne savais pas qu'il y avait ici ? À Roubaix, c'est pareil. Et on a acheté des cadeaux que je ne pouvais pas acheter pour Noël. Est-ce que l'année prochaine, vous êtes prêts à revenir ? Oui. Parce que c'est joli.
que c'est l'occasion de voir à nous dehors que c'est la fête. C'est pas seulement la fête chez soi et en famille, on le voit à nous dehors. C'est une bonne expérience pour votre lot. Ah ben ça je ne sais pas, c'est les commerçants qui le diront là. Ça je ne sais pas, mais moi je trouve que c'est agréable à regarder tout au moins. Oui, me poser quelques questions. Qu'est-ce que vous pensez de la fête des associations? Ben, je trouve que c'est une heureuse initiative. J'ai été, vous le savez, ne le savez peut-être pas, mais je vais vous l'annoncer, 20 ans secrétaire général de la mairie. Et à côté des fonctions qui étaient les miennes, des fonctions administratives, j'ai été un homme de village, aimant mon métier comme un véritable sacerdoce, près des associations. J'ai vécu avec les associations et je trouve que le domaine associatif est riche d'enseignements à tous égards. Alors, vous pensez qu'une fête comme celle-ci me réjouit? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Pour ascensionner à la réalité de l'intérieur de la scène, c'est le groupe. Alors, voilà. 30 voilà.